5. Et ben c'est supérieur à la note qu'elle avait obtenue lors du concours général individuel à la corde, justement. Et pour l'instant, et bien, elle occupe la première place. Elena Tchatchenka, on en parlait tout à l'heure, la Bulgare, 6e du concours général individuel, 3e lors de cette même finale il y a quelques mois à Genève, lors des championnats d'Europe. Oui. J'ai dit la Bulgare, je voulais dire la Bélarusse. Là aussi, on a vu, on a remarqué quelques petites imperfections ici et là. Oui, c'est vrai. Pour avoir le maximum de points en valeur technique, les gymnastes sont obligés de présenter des combinaisons de difficultés, de 3 difficultés. Et c'est ce qui les met un peu en difficulté parce que c'est très difficile à enchaîner. Elle avait pris une médaille lors des derniers championnats d'Europe. Elle était montée sur la dernière marche du podium en 3e position. Est-ce qu'elle pourra monter cette année ? La réponse, premier élément de réponse dans quelques instants. Elle avait obtenu, Elena Tchatchenka, la note de 24,825 lors du concours général individuel, lors duquel elle avait pris la 6e place. On va voir ça tout de suite. La Bélarusse, comme les deux concurrentes précédentes, fait partie de ce groupe de celles qu'on verra dans les 4 finales aux engins aujourd'hui. La note d'Elena Tchatchenka, 25-0-0-0. Pour l'instant, elle occupe la 3e place.